L'instant sport. À l'instant sport, les news, 7h37, des cours de sport géants sur l'esplanade de Montbenon. Ce mardi, en fin de journée, le service des sports de Lausanne organise donc trois cours collectifs géants encadrés par des coachs. Pour en parler, nous recevons ce matin Maël Bollen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une des responsables de ce projet. Exactement, oui. Et ça a lieu aujourd'hui. Exactement, ce soir, donc dès 18h sur l'esplanade de Montbenon. Voilà, grand rendez-vous à ne pas manquer, Léo Degarrigue. Oui, tout à fait. Maël Bollen, ça commence à 18h ce soir avec un programme assez dense. On commence à 18h par du yoga, c'est ça? Oui, exactement, du yoga suivi d'un cours de danse et pour finir un cours de body combat. Donc il y a les sports arts martiaux et conditions physiques. Mmh. Et donc yoga à 18h et après ça commence toutes les heures, c'est ça? Exactement, 18h, 19h et 20h. Ces cours, ils sont dispensés par des coachs de l'association Urban Training. Donc concrètement, comment ça va se passer? Il y aura des grosses enceintes, tout le monde vient à l'esplanade de Montbenon et on danse, on fait du yoga? Exactement, donc il y a des moniteurs qui sont devant les participants et les participantes et qui dictent voilà, les mouvements. Mm-hmm. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit sur inscription. Mm-hmm. Et effectivement, on travaille avec l'association Urban Training qui est un prestataire avec lequel on a l'habitude de travailler. Pas besoin d'être un athlète de haut niveau, pas besoin d'être un maître yogi pour faire du yoga? Non, absolument pas. C'est vraiment des cours ouverts à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de niveau préalable pour participer. Mm-hmm. C'était vraiment le but d'offrir des cours voilà, gratuits, hyper accessibles et ouverts à tout le monde. Bon, on y va? On pourrait y aller, oui. Vous pourriez. Il va faire beau en plus. Il y a encore de la place pour le body combat, mais les deux autres cours sont complets. Donc Ok, bah, magnifique. Tout ça, vous le dites, c'est gratuit. Ça s'inscrit un peu dans la politique sportive de Lausanne qui veut faire du sport pour toutes et tous, accessible dans les espaces publics également. Exactement. Le but, c'était vraiment de promouvoir l'activité physique et le sport pour toutes et tous. Mmh. Et donc aussi d'investir le centre-ville avec du sport, de proposer des cours collectifs en plein air. On sait aussi que ça touche particulièrement les femmes qui aiment les cours, ce type de cours. Donc voilà, une volonté vraiment de promouvoir le sport pour tout le monde et en particulier les femmes. C'est un événement qui lance également l'été sportif. Exactement. Avec beaucoup d'événements à venir, des cours collectifs qui seront dispensés tout l'été. Exactement, cet événement sert aussi voilà, de lancement du programme de l'été sportif qui va commencer donc lundi prochain, du 24 juin au 22 septembre, avec un programme très dense d'activités, un cours tous les jours, voire deux sur certains jours, avec voilà, de l'aquagym, de la zumba, du yoga, du pilates pendant tout l'été. Justement, ça m'a intéressé les sports proposés pendant cet été. On se dirige, j'ai la sensation, vers des disciplines presque toutes assez douces, en tout cas qui se dirigent vers le bien-être et pas forcément la performance. On va chercher des notions de yoga pour se détendre. Est-ce que vous sentez une évolution? Ces sports-là, ils sont différents des sports qu'on a l'habitude peut-être de voir, comme le foot, comme le basket. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un programme en parallèle de toute l'offre des clubs sportifs qui existent et pour aussi toucher voilà, des personnes qui préfèrent faire du sport de façon libre, sans contrainte, de façon aussi gratuite. Alors, il y a une inscription, mais c'est très flexible comme offre. Et puis, on sait aussi que ça correspond particulièrement bien, je le disais avant, au goût et attente des femmes. Mmh. Et c'est des activités qui sont majoritairement fréquentées à 90% par un public féminin. Mmh. Voilà, cette volonté d'avoir des activités un peu plus douces, en plein air, dans des parcs et espaces naturels. Mmh. Et c'est comment l'ambiance de ces moments-là? À quoi ça ressemble pour ceux qui peut-être osent pas forcément franchir le pas d'aller voir ce soir? À quoi on peut s'attendre quand on vient sur place? C'est très convivial, bienveillant. Voilà, je dirais, l'ambiance, elle est très détente. Il n'y a pas du tout de compétition. On vient pour se faire plaisir, pour bouger, pour sa santé, pour passer un bon moment avec des amis ou des amis. Mais voilà, il n'y a pas du tout de compétition ou de pression à se mettre quand on vient. Pour conclure, combien de personnes seront à peu près présentes ce soir? Il y a plus de 100 personnes à chaque cours, 180 pour le cours de danse. Mm-hmm. Donc on espère voilà, qu'il y aura au moins 150 personnes sur chaque cours ce soir. Bah, magnifique, merci beaucoup Maël Bollen. Où c'est qu'on s'inscrit, pardon, parce qu'il faut s'inscrire. Hein. Oui, c'est sur le site donc, d'Urban Training. Urban Training, exactement. Tout oui. Très bien, tout à fait. Et on rappelle le programme, ça se passe donc ce soir sur l'esplanade de Montbenon. Yoga à 18h, danse à 19h, body combat à 20h. C'est gratuit et on s'inscrit sur le site d'Urban Training. Donc merci beaucoup Maël. Exactement, merci à vous.